Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Halo The Master Chief Collection. Et cette fois-ci, ça va se passer sur Halo Reach. Donc en gros, j'ai envie de vous montrer un secret. Easter Eggs, tout simplement. Et en gros, le but, c'est d'aller sur la carte. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc vous allez en campagne, d'accord ? Vous allez sur Halo Reach, et ensuite vous allez sur la mission, la nouvelle Alexandrie, ici, d'accord? Donc vous allez dans la séquence de fin, quand vous devez, juste avant d'aller dans la tour pour pouvoir en fait aller finir la mission avec la cinématique de fin, et ben juste avant, vous allez dans une zone récupérer un jackpot. Donc en gros, dans une zone, il y aura, que je vais montrer avec des séquences, en gros, il y aura dans un bâtiment plein de brutes à tuer. Et dès que tu les as tués, au bout de la zone, on va avoir deux jetpacks, côte à côte. D'accord ? Et en fait, le but, c'est de prendre le jetpack et d'appuyer sur un bouton caché dans la carte, dans la carte Nouvelle Alexandrie. En fait, c'est un bouton qui est caché sur un plafond. Donc, je vous montrerai en image, bien sûr. Mais voilà, vous appuyez sur ce bouton-là. Et ensuite, vous devez aller à un endroit pour pouvoir en fait changer votre Falcon en Pélican ou votre Banshee en Fantôme. Et je vais montrer ça en image. Vous allez voir, c'est plutôt à la fois drôle. Mais bon, ça fonctionne que sur cette mission, bien sûr, malheureusement. Mais voilà. Et en plus de ça, lorsque vous avez par exemple votre Pélican ou votre Fantôme, il y a moyen d'aller sur la grosse mitrailleuse qu'il y a juste à l'avant du véhicule, tout simplement. Et en gros, je vais montrer ça en image, en petite vidéo, comme ça au moins, on sera pas mal. D'accord ? Donc c'est parti. Ok, dès que vous êtes dans ce bâtiment-là, vous allez voir qu'il y aura des jetpacks juste ici. Donc vous le prenez, et ensuite vous sortez d'ici, tout simplement. Ok, donc ensuite, bon, moi je vais dans un Falcon, tout simplement. En gros, bon, on va faire le chemin, tout simplement. Et en fait, dans une zone, il y aura une sorte de... un peu d'une gouttière, tout simplement. Et en fait, en allant sur cette gouttière, vous allez voir qu'il y aura un bouton qui sera donc sur un plafond. Et dès qu'on aura vu ce bouton, tout simplement, directement... on appuiera dessus et on sera plutôt pas mal. Voilà. Bon là, le chemin il est assez long, mais on voit que tu vois que on s'éloigne un petit peu plus de la zone et on voit que on est quand même à 700 voire 800 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez voir, il y aura une gouttière un petit peu orangée, donc ça sera en fait faut fouiller. Les grandes tours, vous allez voir que en contrebas il y aura des gouttières un petit peu orangées. Et ensuite, on va monter sur cette gouttière et vous allez voir, on va trouver qu'il y aura, voilà ici, on va trouver qu'il y aura un bouton caché. Vous allez voir, c'est assez drôle. Donc hop, vous êtes ici et vous sortez du véhicule et il vous faut absolument le jetpack, pour pouvoir en fait monter sur cette gouttière, ce qui est notamment logique, bien sûr. Hop, on sort, on prend le jetpack, paf, et en fait, on voit que faut se mettre sur ce véhicule, et juste au-dessus, il y a quoi? Il y a un bouton caché. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, hop, on monte, et hop, directement, on appuie dessus, et on le prend, tout simplement. Et on remonte dessus. Facile, hein? Bon. Par contre, j'ai fait un peu le con, mais j'ai envie de garder cette séquence. J'ai éteint un bouffon, tout simplement. Voilà, donc ensuite, dès que vous avez appuyé sur ce bouton, qui était donc assez simple à retrouver bien sûr, vous voyez là, la zone un peu plus loin ici là, avec une sorte de d'arc, et ben en fait vous allez là, et en fait il vous faut tout simplement être un petit peu au centre, pas trop au centre, mais être quand même un petit peu en dessous de l'arc, d'accord? Et en faisant ça, vous allez voir que votre Falcon va se transformer en Pélican. Et ça, c'est vraiment bizarre. Mais voilà.
c'est étonnant que ça n'a pas marché sur ce coup-là, mais là, normalement, ça devrait marcher, je pense. Et en fait, ça va le transformer en pélican. Et ça, c'est beau. Hop! Et voilà. Ça l'a transformé en pélican. Bon, par contre, votre falcon, oui, il part un petit peu en roubignole, bien sûr. Mais voilà, si vous êtes avec un ami, et ben au moins, comme ça, hop, directement, vous pouvez avoir deux pélicans, et ça, c'est beau. Tout simplement. C'est plutôt propre. Et après, voilà, on peut s'amuser tranquille. Bon, le souci, c'est qu'avec ça, le seul problème, c'est que déjà, vous êtes invincible. Donc ça, c'est plutôt pas mal, de 1. Et de 2, le souci, c'est que, bah, en fait, c'est juste pour s'amuser, parce qu'en fait, on peut pas tirer. Il faut être à 2 sur le pélican, donc 1. Comme je l'ai dit sur l'introduction, en fait, ce qu'il faut, c'est se poser sur un bâtiment, d'accord? Et faut que votre ami sorte du véhicule, puis ensuite aille sur la petite tourelle qui est juste en dessous du pélican à l'avant, tout simplement. Et en faisant ça vous permet donc de pouvoir tirer, ça c'est beau, tout simplement. Donc je veux montrer la même chose, mais avec un fantôme cette fois-ci, pour avoir les deux. C'est parti. Donc voilà, donc en fait le but là maintenant cette fois-ci, c'est de trouver un banshee. Vous voyez qu'il y en a plein, vous allez sur une plateforme, avec le jetpack bien sûr, parce que sans jetpack ça va être un peu difficile. Vous prenez le jetpack et vous essayez de choper un banshee. Et ensuite vous faites la même chose, tout en ayant bien sûr appuyé sur le bouton qu'on a vu juste avant bien sûr. Et ensuite vous prenez un banshee, tout simplement, et vous faites la même méthode, qui est donc de passer au centre de l'arc qui est juste devant nous. Donc toujours sur la carte Nouvelle-Alexandrie bien sûr, parce que voilà, c'est que sur cette carte que ça fonctionne. Et voilà. Et ensuite, hop, vous allez donc au centre pour pouvoir faire pop le fantôme. En vrai, c'est plutôt, je trouve c'est drôle, mais le souci c'est que on peut pas tirer avec, il faut être à deux automatiquement. Donc c'est parti, regardez. Paf. Et là, hop, ça transforme et on a le fantôme. C'est quand même pas mal en vrai. Hein. Voilà. Du coup, on a le fantôme et on est pas mal. Tu vois, en fait, il faut juste. Je pense qu'on peut être à plusieurs en vrai, hein, voire 3-4. Hein. Un sur chaque tourelle et c'est plutôt propre en vrai. En vrai, c'est plutôt pas mal. Donc là, je pense que je vais me poser à un endroit et puis comme ça, on va voir le pop-up. Donc pareil, la même chose, mais du pélican. À distance, parce qu'en fait on l'a vu quand moi je le faisais, tout simplement, mais là on va le voir à distance et ça va être plutôt propre, on va dire. Comme ça, on va voir comment le pélican pop, tout simplement. Et là on voit, regarde, le falcon il descend et là le pélican pop. Propre, hein? Je trouve ça plutôt pas mal en vrai. Tout simplement. Bon, en tout cas, voilà. C'était une petite séquence sympathique, comment on a montré, regardez, j'ai même eu un succès, donc oui, il y a un succès. Lorsque vous faites la même chose que je viens de faire, mais que vous faites la même chose pour un pélican et pour un fantôme, donc Falcon pour pélican et Banshee pour fantôme, dès que vous faites ça, vous avez donc le succès, donc un succès très rare bien sûr, mais apparemment qui est réussi avec 2,4% actuellement, en tout cas. Donc voilà. Donc moi je vais m'arrêter là. Et ben, on verra ça donc une prochaine fois, donc je vous dis à la prochaine. En tout cas, c'était un bon easter egg, donc je vous dis à la prochaine. Bye à tous.